Alors, je viens d'aménager et je voudrais mettre des plantes dans ma nouvelle maison. Alors, je vais chez le fleuriste et le fleuriste me dit qu'il peut me vendre quatre types de fleurs. Il y a des roses, des tulipes, des tournesols et des iris. Et puis il me dit que quel que soit le type de fleurs que je choisis, eh bien, je peux les mettre dans un pot marron, un pot jaune ou bien un pot vert. Alors la question que je me pose bien sûr en tant que mathématicien c'est combien de scénarios possibles il y a, c'est-à-dire combien d'arrangements de pots et de fleurs je peux faire avec les choix qui sont proposés par le fleuriste. Par exemple, je peux prendre je peux avoir des roses dans un pot marron ou bien des tournesols dans un pot jaune par exemple. Voilà, ce sont ces scénarios que j'aimerais pouvoir dénombrer. Alors comme d'habitude, je te conseille d'essayer de, de réfléchir tout seul en mettant la vidéo sur pause avant de regarder comment j'aborde cette question. Alors on va maintenant aborder les, la question. Donc de toute façon ce qui est certain c'est que je dois choisir un pot pour la fleur que je vais avoir. Et donc en fait j'ai trois possibilités. Je vais écrire simplement les initiales des couleurs. Hein. Je peux avoir un pot marron, un pot jaune ou bien un pot vert. Voilà, ça ce sont les trois possibilités pour les choix du pot. Et maintenant, pour chacune de ces possibilités, je vais pouvoir choisir des fleurs. Alors, je peux choisir soit une rose. Donc, si j'ai choisi un pot marron, dedans, je peux mettre des roses. Mais je peux choisir aussi d'y mettre des tulipes. Hein. Ou bien des tournesols. Un tournesol. Ou bien même une iris. Voilà, ça ce sont les quatre possibilités pour la fleur que je vais mettre dans le pot marron. Maintenant, si j'ai choisi un pot jaune, eh bien, c'est exactement la même chose, je peux mettre dedans une rose ou bien une tulipe ou bien un tournesol ou bien une iris. Et puis bien sûr, si j'ai choisi un pot vert, eh bien, c'est exactement la même chose, je peux très bien mettre une rose dedans ou bien une tulipe ou bien un tournesol ou bien une iris voilà alors là tu vois j'ai en fait ce que j'ai représenté ici ça va nous permettre de compter combien de possibilités il y a en tout combien de possibilités différentes il y a en tout puisque tu vois que en fait j'ai trois choix pour les peaux ici la couleur des peaux et puis pour chacun de ces trois choix eh bien j'ai quatre choix que j'ai représenté ici pour les fleurs que je vais mettre dedans donc je répète, pour chacune des trois possibilités qui sont là, on a quatre possibilités pour les fleurs. Donc en tout, on a trois fois quatre, c'est-à-dire douze possibilités au total. Et d'ailleurs, si tu n'es pas convaincu, tu peux très bien compter toutes ces possibilités-là. Ça, c'est une rose dans un pot marron, une tulipe dans un pot marron, un tournesol dans un pot marron, une iris dans un pot marron. Une rose dans un pot jaune, une tulipe dans un pot jaune, un tournesol dans un pot jaune, une iris dans un pot jaune, une rose dans un pot vert, une tulipe dans un pot vert, une, euh, un tournesol pardon, dans un pot vert et une iris dans un pot vert. Et tu vois qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilités.